Yo, yo, what's up? This is Sendog from Power Flow, hanging here with Roy, Christian, and Billy. What up? You are listening to Rockin' Mel. Yeah! 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 Salut les potes métalleux! Vous écoutez Rockin' Mel, version 4.0, présentée par Yvette Horny et Alex. Du métal, des nouveautés et des blagues nulles, toutes les semaines sur radiometal.com. Come on! Bonsoir les amis, bonsoir les Metalheads et bienvenue dans cette nouvelle émission de Rock and Mail 4.0. Plein de choses encore depuis le début de l'année. Un petit rip, un nouveau rip, mais pour un groupe cette fois-ci, Trépalium, c'est fini. Dommage, on aurait bien voulu écouter le dernier album qui est dans les tuyaux, mais qui ne verra jamais le jour. Bonne chance et bonne continuation aux membres du groupe. Et commençons maintenant cette nouvelle émission avec Illumishade. C'est un groupe suisse, signé chez Napalm Records, qui nous sort l'album Another Side of You. Ça sortira le 16 février. On aura deux titres ce soir, Cloud Reader, suivi de Here We Are. Trust that I know how.
Et bien, on enchaîne avec un tout petit groupe que personne ne connaît et qui n'a jamais fait carrière. C'est Samel. Je suis sûre que vous ne connaissez pas. On va écouter deux titres ce soir, Moonskin et Jupiterian Vibe. Ça vient de leur album live Passage Live, qui sortira chez Napalm Records le 16 février aussi. Donc le morceau Moonskin, peau de lune, ça veut dire la peau du cul. Mais... Tu es vilaine, c'est un de mes groupes préférés, et cet album-là, Passage, sorti en 96, est énorme. C'est un énorme passage? Bah oui, pour des Suisses, oui. We'll be right back.
Donc on passe maintenant à Uziel, qui nous sort là un titre, Captured by Emptiness. En attendant l'album, c'est chez NRT Records. Et ça sortira le 9 février. Lost all one.
Eh bien, on continue avec The Kirsch Effect. Non, ça, c'est l'effet des fêtes de fin d'année. On continue donc avec The Kirsch Effect, qui nous sort l'album Urian chez Long Branch Records. C'est un album qui est sorti le 29 septembre dernier. Et on va écouter deux morceaux ce soir, Otus et Blood. Otus. Thank you.
We'll be right back.
vouliez du power prog, eh ben écoutez, on va écouter Dragon Force avec Astro Warrior Antenne, suivi de Doomsday Party, tiré de Warp Speed Warrior. Ça sortira le 15 mars prochain chez Napalm Records. Il sera composé de 9 titres. En avant toute, Dragon Force. Le contraire de Dragon Force, c'est Lézard Faiblesse. Pas mal, pas mal. Ah, c'était très con. Mais c'est comme en italique, c'est le petit frère de Angra. Oh, celle-là, elle est venue de loin, je m'y attendais pas. Sands of time are running low. The clock is ticking. Light the fuse about to blow. Escape this city. All planet under siege. Unleash the Necron fleet. Strapped in and set to go. Now blast into the great unknown. We'll be right back.
was beautiful. We were young, we were free then. Everything was green and gold before. And we danced in the stars. Remember when we were so beautiful? But the rain started falling. Everything in our whole world was gray. And we lost what was ours. It's a Doomsday Party and the altar wall. A Doomsday Party and a disco ball. A Doomsday Party on the factory floor. We pray. Donc on continue et on clôt la soirée avec deux morceaux de l'album Weapons of Mass Seduction du groupe Lord of the Lost. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais ils étaient à l'Eurovision l'année dernière. Ils représentaient l'Allemagne et ils étaient vraiment tout derniers quoi. C'était avant-dernier, je crois qu'ils étaient avant-dernier. C'était bien dernier, oui, effectivement. C'est dommage parce que franchement c'était pas mal. Donc on va écouter deux titres ce soir, Shock to the System et Turbo Lover. The world stood still.
shift to overdrive, and everything goes rushing by with every nerve alive. We move so fast, it seems as though we've taken to the sky. Love machines in harmony, we hear the engines cry. Que le temps passe vite en bonne compagnie, merci de nous avoir écoutés, très bonne soirée sur nos ondes, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien et attention au Kirsch Effect.